Tu penses plus à ta nourriture qu'à ton mari depuis quelque temps. J'ai prévu de grossir un maximum en hommage à ta mère. Faudra pas te plaindre si je te le fais payer très très cher. Tu veux la bagarre? Tu vas la voir. Donne-moi ce pantalon. Carlos Solis aimait sa femme plus que tout au monde. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente. Même si elle était vaniteuse. Pourquoi on file du fric à l'église tous les dimanches? On a toujours droit au même numéro. Égoïste. Je t'avais dit de m'acheter de la haute couture. Je vais pas mettre du prêt-à-porter avec ces chaussures. Oh. Et pour y gâter. Tu vois... Comment dire? T'as pas souvent l'impression que tout le monde te déteste? J'ai jamais eu cette impression. Tu devrais, parce que c'est le cas, je t'assure. Et depuis quand? Depuis que tu fais tout pour énerver les gens. Tes filles ont aussi pris mon parfum à $300 pour donner un bain à leur poupée. Oui, je dépense $300 dans un parfum, mais la question n'est pas là. Oh, sans blague, tu n'aimes pas m'entendre crier? Tu préfères ça? Karen, chocolat pour vous, tenez. J'essaie de réduire le sucre. Ah ouais? À votre âge, je vois pas l'intérêt. Vous êtes plus méchante personne que je connais. Non, je suis la plus méchante personne. Ça fait un an que t'es dans ce pays, tu pourrais mettre les articles quand même, non? Et je précise que c'est un sac de luxe. Tu pourras en avoir un comme ça un jour si tu travailles dur. Ou bien si tu épouses quelqu'un qui travaille dur. Ouvre cette porte, sale voleuse! J'ai appelé la police. Ils arrivent, ma grande, avec leur arme paralysante. Gare à tes fesses. Gabi? Oh, t'es là? Tant mieux. Je m'étais dit que je vous expliquerais la machination quand vous me rendriez visite en prison. Oh, mais... Nous sommes vraiment désolés. Et faut te mettre à notre place, tout le monde t'a pris pour un tueur en série. Bon sang, Gabi. Je t'ai demandé d'avoir la gentillesse d'enlever les bouts de carottes. Je l'ai fait. T'as dû en laisser. Tu peux pas les enlever, s'il te plaît. Voilà. Plus de carottes. Ne me dis pas que tu les as enlevées avec la main. Bien sûr que non. J'ai pris une cuillère, voyons. J'en reviens pas que t'aies perdu notre bébé. Oh, arrête. J'ai pas perdu notre bébé. Je sais très exactement où il est. Il est dans le ventre d'une chinoise complètement folle qui en plus a volé un demi-poulet dans mon frigo. Le docteur dit que les filles ne sont plus contagieuses, elles peuvent rentrer à la maison. Merci. C'est une bonne nouvelle. Quoi? C'est une affreuse nouvelle. Mes filles sont guéries, merde. Mais tu peux rentrer maintenant. Non, je suis pas prête. Je commençais tout juste à me souvenir de ce que c'est qu'une vie normale. Dormir d'une traite, ne pas trébucher sur les jouets, aller manger dans des restaurants où il n'y a pas d'air de jeu. Je viens de goûter à la liberté et j'ai pas l'intention d'y renoncer. Linette! Gabi, tu viens au supermarché discount, toi? Je suis pauvre maintenant, t'as oublié? Je t'ai donc frayé avec la populace. Maman, on a faim! Et alors? Il y a des gaufres dans le congélateur! Et apporte de la glace! Tu viens de lâcher mon fric dans une tornade, pas question que je te suive là-dedans! Parfait! Reste là et crève! Bouffe ton cul! À vrai dire, non, nous n'avons pas eu encore de relations sexuelles. Nous attendons d'être mariés pour ça. C'est pas vrai, t'es sérieuse? Et voilà, Gabi. Il est un peu vieux. Il y a un pays qui s'appelle encore l'URSS dessus, t'imagines? L'URSS n'existe plus. Merci pour avoir mis la langue. Coucou, chérie. Salut, traînée. Excuse-moi. Je sais tout à propos de ta liaison avec l'homme à tout faire. C'est Ellie qui me l'a dit. Oh, quelle sale cafeteuse, celle-là. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Je te remercie de m'avoir mise au courant.
Gabi, tu m'as trompé, tu t'es fait pincer. Veux-tu avoir la gentillesse de me donner une assiette pour que je la fracasse? Que tu peux être bête, c'était pas un amant, enfin, c'était le flic. Elle nous a surpris en train de poser un mouchard dans sa chambre. C'est l'excuse qu'on a trouvée pour se couvrir. Et tu crois que je vais gober cette histoire? Tu veux un scoop, Carlos? T'es aveugle. Donc t'as plus le choix maintenant. T'es obligé de me croire quand je te dis quelque chose. Oui, c'est comme quand je te donne ton déodorant. Tu dois croire que c'est pas du décapant. Je sais que c'est pas juste et que ça me donne un pouvoir absolu et que c'est brutal. T'es dans la merde, faut faire avec. Gabi, tu te rappelles quand j'étais avec Carlos? Tais-toi, pétasse. Vous voyez, ça, c'est normal. Moi, je prends ça pour Brie et son coup de vache protestante. Je suis désolé, mais on doit renoncer au bonus cette année. Souhaiterez-vous un dessert? Fichez le camp. Quoi? Crise oblige. Notre directeur financier estime qu'on doit se serrer un peu la ceinture. Mais vous avez une idée du nombre d'heures sup que Carlos a pu faire? Et tous ses déplacements? Il s'est carrément tué à la tâche. Vous vous rendez compte, vous pouvez pas faire ça à mon bijoutier. On est prêt pour le dessert. Vous mettrez 10 homards dans un sac. Quel culot, c'est incroyable. J'ai dû me garer à côté de la benne ordure là-bas. Oh, arrêtez de vous poser en victime devant moi. J'ai dû marcher avec des talons aiguilles toute la journée. Vous vous êtes assis et roule ma boule. Ça te tente pas, un câlin vite fait? J'ai pas le temps, bébé. Très juste, c'est pour ça que je te propose pas la totale. Oh, allez, mon chéri, je te jure que je vais te faire grimper au rideau en 3 minutes, montre en main. Allez, on y va. Ça va nous rappeler le bon vieux temps. On l'a jamais fait sur la table. Oh, mais si, il y a des années, tu te souviens pas? Je pense pas que c'était moi. Exact. Pendant ma grossesse, je me demandais comment j'assumerais ma maternité. Maman! Mais je trouve qu'au final, j'ai pas mal assuré. Maman! Quoi? De l'argent pour m'acheter une glace. C'est quoi la formule magique? J'en sais rien. Fais vite! Mais viens que je t'embrasse. Je peux voir vos mains? Gabi. Ok. Elle a l'air gentille, tante Connie. Peut-être qu'elle a changé? Les ploucs, ça change pas. Ça sent l'embrouille à planer. Allez, viens. Faut qu'on se trouve une chaise avant de finir sur le gazon avec les fourmis rouges. Il y a parfois des tensions palpables entre lui et moi. En réalité, cette chambre aurait pu être louée depuis longtemps si mon cher mari était moins paranoïaque. Et pourquoi? Parce que j'ai refusé que le Suédois bodybuildé en ménage. T'es aussi aveugle qu'une chauve-souris. Comment t'as fait pour voir qu'il était bodybuildé? Je l'ai frôlé en passant à côté de lui. J'ai senti son biceps et il était énorme. C'était pas son biceps. Pourquoi il est sorti d'ici en courant, à ton avis? Attention, la caméra tourne. As-tu quelques mots à dire avant que notre chère fille ne monte sur les planches? Ouais, prions. Hey, mais t'es malade ou quoi? Jamais j'irai dans cette salle de bal remplie de beau monde sans blush et fond de teint. Oh, mais arrête, c'est l'occasion de lui montrer que c'est très superficiel en fait, ce genre de beauté. Eh ben, quand tu verras ce qu'il y a sous la surface, il y a des chances que tu reconsidères ta position. Vous devez vous demander pourquoi j'ai cette tête? Excusez-moi. Je ne suis pas souffrante, c'est parce que je ne porte pas de maquillage. Ma fille doit apprendre que la beauté est intérieure. Je ne suis pas aussi laide en général. Voudrais-tu bien cesser de te justifier? C'était déjà suffisamment pénible avec le voiturier. C'est plus fort que moi. J'ai pas envie qu'on croie que je cautionne cette tronche. Je vais voir où est notre table. Champagne? Oh, merci. Je suis pas souffrante, je suis juste pas maquillée. Gabi! Je dois y aller. C'est juste que ça peut être bien qu'un chien dorme avec son maître. Ça peut nous rapprocher. Oui, mais au cas où tu aurais besoin de te rapprocher de moi et de mes seins, elle dégage et en vitesse. Est-ce que tu peux être égoïste? On peut très bien la mettre au pied du lit. Carlos, non! Attention, elle aime pas quand tu cries sur moi. Ne l'oublie pas. Je vais m'y prendre autrement. Écoute-moi bien, espèce de petite enfoirée. Si tu vires pas ce kleps prétentieux aux mamelles tombantes de mes superbes draps de satin, t'auras plus seulement besoin d'un chien pour bouger. T'auras besoin d'un fauteuil roulant électrique que tu conduiras avec ta langue. Bah dis donc, je comprends que tu voulais l'embaucher, c'est une force de la nature. Faut voir comment elle mène une négo. Tu m'étonnes. T'as dû être surpris quand t'as ouvert la porte. Comment ça? Je veux dire, c'est clair qu'elle compte plus les calories depuis la dernière fois que tu l'as vue. Elle a toujours été comme ça. Quoi? Mais tu couchais avec elle? Oui, ça te surprend. Ok, qu'il n'y ait pas de malentendu, elle est attirante. Le truc, c'est que ton type de femme, c'est plus le mannequin ultra mince. C'est sûr que tu la verras jamais sur un podium. Sauf peut-être au championnat de sumo. Gabi! Tu me crois si superficielle que ça? Il n'y aurait que l'apparence qui compte? Oui, je croyais qu'on avait ça en commun.